les conférences du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation de cette conférence qui est la première d'un cycle sur les chefs des grands mouvements. Ça a l'air assez basique pour un centre d'histoire de la résistance et des déportations, mais à bien y regarder, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait. Et puis, on a donc commencé par Henri Freinet, dont le biographe attitré est Robert Belot, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Saint-Étienne, après avoir longtemps œuvré en Franche-Comté, qui a beaucoup travaillé sur Henri Freinet. Alors l'Henri Freinet que vous attendez, c'est-à-dire celui de la guerre, et puis celui d'après dont on parle encore moins. Alors pourquoi on ne parle pas trop d'Henri Freinet ? Ben, on n'en sait trop rien. Mais c'est vrai que la polémique avec... Pourtant, c'est des nouvelles piles. On va changer. Allez, on change de monture. On connaît d'Henri Freinet surtout la polémique avec Cordier, qui va être à l'origine du travail d'historien de Cordier. On le connaît évidemment comme un des leaders de la résistance, mais il y avait tellement de zones d'ombre qu'on s'est dit que voilà, il fallait au moins Robert Belot pour essayer de nous donner envie d'en savoir plus et puis nous éclairer sur ce long parcours de quelqu'un qui est né à Lyon en plus. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent. Et merci à Isabelle d'avoir bien voulu m'inviter pour inaugurer ce cycle de conférences. Et je pense qu'elle a très bien posé le problème, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une véritable méconnaissance d'Henri Freinet, alors qu'il a été un des grands de la Résistance, mais pas seulement. Ça a été aussi c'est un héros de la Résistance, un symbole du patriotisme engagé. Mais c'est aussi autre chose. Il y a aussi une autre dimension qui est ce que j'appelle le héros d'une Europe unie, fédérale. Et c'est cette unité de l'homme que j'ai voulu reconstituer par-delà les polémiques qui ont accompagné la sortie d'un livre qui était très critiquable. Il s'appelait, je ne vais pas en parler ce soir, mais qui s'appelait... L'énigme Jean Moulin, livre dans lequel il a accusé Jean Moulin d'avoir été crypto-communiste. Ce livre a connu un écho extrêmement important et a donné lieu à une émission que les moins de 20 ans ne connaissent pas, c'était les dossiers de l'écran. Les dossiers de l'écran, émission extraordinaire, franchement... ça nous manque des émissions comme ça aujourd'hui. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'était fabuleux. Et donc, à l'occasion de ce livre, les dossiers d'écran créent une émission spécialement autour de ce livre. Et donc, il y a encore les grands de la résistance, notamment Henri Freinet, Jean-Pierre Lévy, Raymond Braque, tous les VIP de la résistance. Et puis, un endroit qui est assez périphérique, il y a Daniel Cordier, qui fait très jeune à l'époque, qui essaye de porter la contradiction à Freinet. Et Freinet, qui était assez un homme sûr de lui, si vous voulez, Freinet lui explique que lui, de toute façon, c'était l'intendance et qu'il ne faisait pas partie du cercle des décideurs, ce qui était vrai d'ailleurs. Et que donc il n'avait pas à intervenir dans ce débat. C'était assez violent d'ailleurs de la part de Freinet. Et du coup, Cordier a compris qu'il avait des limites dans la connaissance de cette histoire, parce qu'il n'a vu qu'une partie de cette histoire, bien entendu, et qu'il était outré par cette accusation. Alors sur le fond, je suis d'accord avec Daniel Cordier d'une certaine manière, à savoir que non, Jean Moulin... D'après mes recherches, et j'ai encore pas tout écrit, j'ai encore des choses
à dire sur cette affaire, qui donnera peut-être lieu à un livre prochainement, mais c'est un scoop. Il y a encore des choses à dire, mais je pense que la thèse est fausse, si vous voulez. Donc, Freinet avait tort de développer cette thèse, même si je pourrais expliquer les raisons pour lesquelles il a développé cette thèse, en toute bonne foi, en définitive. Et Cordier a raison dans un sens, parce que rien ne prouve que Jean Moulin aurait trahi le général de Gaulle au profit d'une autre cause. Donc, et c'est à ce moment-là que Daniel Cordier donc, s'est lancé dans une entreprise gigantesque. Hein, il a arrêté de travailler, c'est un marchand d'art, il a arrêté de travailler et s'est lancé dans l'écriture d'une biographie immense de Jean Moulin, qui a bien des mérites. Bien des mérites. Donc moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, Daniel Cordier d'ailleurs. Hein. On n'était pas d'accord sur tout. Moi, je préparais mon livre, donc, qui était une habilitation à diriger des recherches sur Henri Freinet, de la résistance à l'Europe. Donc on a eu beaucoup d'entretiens ensemble. Hein. J'étais allé le voir dans le sud de la France, on s'est vu à Paris, on s'est écrit, j'ai ses lettres. Et il m'envoyait tous ses livres. On n'était pas toujours d'accord sur tout, parce que j'estimais que on ne commence pas une biographie sur Jean Moulin, premier tome, avec une préface de 200 pages qui était une attaque en règle contre, très polémique, contre, d'une part, Freinet, d'autre part, Brossolette. J'estimais que ça, ce n'est pas un travail d'historien. C'est un travail de témoin, très bien, mais si on se présente comme historien, on ne peut pas commencer comme ça, la biographie de Jean Moulin, parce que sa vie ne commence pas là. Hein. Et là, il développait des arguments qui étaient en partie erronés. Et moi, je lui ai écrit, je lui ai dit, et je l'ai même écrit dans des livres. Et j'ai jamais été, il ne m'a jamais opposé un démenti, d'ailleurs. On est restés amis. Donc, ce qui voulait dire que j'ai réussi, je pense, à avoir une attitude médiane, hein, l'attitude de l'historien. Hein, l'historien qui essaie d'instruire à charge et à décharge, et qui n'épouse pas une cause, parce que c'est très facile d'épouser une cause, hein, une interprétation. C'est beaucoup plus complexe de montrer justement la complexité du réel. Et la résistance, c'est complexe. Bien sûr, c'est devenu une mythologie, pour des raisons politiques, mémorielles, bien sûr, parce que le peuple français avait besoin d'une image idéalisée de lui-même, mais ça, c'est valable dans tous les peuples, bien entendu, surtout après un tel événement. Mais mon travail d'historien, je le dis pour commencer, vise justement à démêler cette contradiction, à révéler cette complexité, si vous voulez. Donc je n'ai pas connu Henri Freinet, hein, je le précise. Je ne l'ai pas connu et je trouve que c'est aussi bien. C'est aussi bien. Par contre, j'ai découvert beaucoup de lettres. J'ai découvert ses amis, j'ai connu sa veuve, son fils, etc., etc. J'ai fait tout ce travail des archives. Bon. Et donc l'occasion, c'est donc le livre qui est là, hein, Résistance et conscience européenne, qu'a publié Presse fédéraliste. C'est-à-dire, je salue le président de cette association éditoriale, Jean-Francis Billon, ici présent, et certains de ses jeunes soutiens, si j'ose dire, hein, des jeunes fédéralistes européens. Parce que c'était intéressant d'essayer de comprendre que la résistance n'a pas été unie au moment de la libération. Elle n'a pas été unie au moment de l'action, pendant la guerre, mais elle était encore moins unie quand il s'est agi de transformer cet élan extraordinaire qui a été la résistance en projet politique. Il y a eu des divergences majeures et des divergences qui ont couru tout au long de la 4e République, voire de la 5e République. Donc, retrouver l'esprit et la complexité de la résistance française, parce que oui, la résistance était un réflexe patriotique, d'une certaine manière. Ça a été aussi une action, bien entendu, de la propagande au sabotage, si je puis dire, mais la résistance, ça a été aussi un projet politique.
Alors, pas tout de suite, c'était long à se mettre en place. L'enjeu européen, il n'a pas été clair d'emblée. Hein. Souvent, on essaie d'établir une équivalence entre résistance et conscience européenne. C'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Et c'est ce que j'aimerais montrer avec vous. Alors, bien sûr que à la Libération, certains fédéralistes, type Denis de Rougemont, qui était un des grands, c'est un Suisse, un des pionniers de la résistance, Denis de Rougemont, dans une conférence qu'il prononce à la Sorbonne, qui n'est pas connue, en 1948, il dit « L'Européen, c'est-à-dire l'homme européen, tient plus qu'à l'ordre, et plus qu'à la richesse, et plus qu'au pain qu'il mange, à une notion de l'homme, qu'il ne sait pas toujours formuler, mais pour laquelle il sait mourir, parce qu'il en vit. Il l'a montré pendant la résistance. Vous voyez. Donc on rattache la résistance au projet européen. Alors c'était vrai et c'était faux en même temps. Hein. Et il utilise d'ailleurs l'expression « conscience européenne ». C'est pour ça que j'ai voulu mettre dans le livre que j'ai montré hein, « Résistance et conscience européenne ». Donc réconcilier un peu... résistance et projet européen. Et c'est vrai, ce qui m'a aussi poussé à faire ce livre, avec le soutien de Jean-Francis Billon, c'était aussi des relectures tendancieuses qui ont cours actuellement concernant l'idée européenne. Je cite quelques livres qui procèdent d'une sorte de déconnaissance du projet européen. Le déboulonnage, ça se passe aux États-Unis, mais ça se passe aussi en France, où on essaye de porter atteinte à l'honorabilité des pionniers, Alcide de Gasperi, l'italien, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet. Vous voyez, il y a toute une entreprise actuellement de déstabilisation du côté des europhobes. Et notamment M. Philippe de Villiers, dans un livre qui s'intitule « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », un titre déjà qui met en alerte, hein, parce que M. Duvillier se présente comme un historien et qui va apprendre à tous les historiens qui, depuis 50 ans, n'ont rien compris, finalement. Il va nous expliquer que, finalement, on n'a rien compris, hein, que lui, il va nous révéler la vérité. C'est vraiment du fake knowledge, comme on dit aujourd'hui. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'il dénonce cette idée que l'Europe serait sortie de la résistance, alors que, oui, la résistance a eu un projet européen. La résistance a été un vivier de l'idée européenne, bien entendu, même si toute la résistance n'a pas été européenne. Et c'est ça mon point de vue. Hein. Oui, la résistance a joué un rôle fondamental pour le développement de la conscience européenne, mais non, toute la résistance n'a pas été pro-européenne. C'est mon point de vue, qui est médian, vous voyez. Et Freinet apparaît comme un stipendier, comme un vendu de la CIA. C'est M. de Villiers qui l'écrit dans son livre. Et là, je dis qu'il faut arrêter un moment de raconter n'importe quoi. Et l'universitaire, qui est neutre, doit parfois sortir de son compte à soi et dire les choses. Ça ne veut pas dire que des mouvements fédéralistes et autres, pendant la guerre froide, n'ont pas été plus ou moins aidés financièrement, par exemple, par des fondations américaines. Hein, et à l'inverse, il y a beaucoup de mouvements communistes qui ont été alimentés par les soviétiques. On était en guerre froide. Hein. Mais de là à porter atteinte à l'honneur de ces gens et à considérer que finalement, ils n'étaient pas résistants, ils n'étaient que des vendus de la CIA et que finalement, c'est la CIA qui a créé l'Europe. Hein. Donc c'est des raccourcis, effectivement, qui marchent, parce que au niveau des ventes de son livre, ça s'est bien passé pour lui, il n'y a pas de problème. Donc il faut un peu revenir un petit peu à la raison, si vous voulez. Hein. Alors Henri Freinet, alors, comme le disait Isabelle, oui, il est pas très connu, en fait. Hein. Il n'est pas très connu, alors que c'était quand même vraiment un héros de la résistance, comme on dit. Hein. Figure emblématique de la résistance, devenu fédéraliste, ça, on l'oublie totalement. Hein, dans ce bouquin qui s'appelle donc « De la résistance à l'Europe », on a retenu, comme le disait Isabelle tout à l'heure, de la résistance, mais l'Europe, on l'a oublié. Alors que c'est quand même la moitié du bouquin, si vous voulez. Donc ça me semblait intéressant
d'en remettre une petite couche, si vous voulez, pour montrer la deuxième dimension du personnage. Et là, vous avez, ça c'est une photo qui est tirée, une photo originale que je possède, parce qu'on me l'a donné, un de ses amis me l'a donné. Donc c'est Henri Freinet en 1945. Henri Freinet, qui est devenu ministre du général de Gaulle, ministre des prisonniers déportés réfugiés, c'est-à-dire qu'il avait organisé tout le reflux des Français qui ont été dispersés à cause de la guerre, prisonniers de guerre, déportés, etc. C'est une mission extrêmement périlleuse, hein, parce qu'il n'y a que des coups à prendre dans cette affaire, parce qu'il n'y a pas de moyens pour accueillir les gens. Et donc, c'était terrible. Et en même temps, c'est le héros de la résistance. Il a 40 ans. Il a 40 ans ministre. Le plus jeune des ministres du CFLN, du gouvernement provisoire de la République française. Et donc là, il est en gare de l'Est, ils accueillent des prisonniers de guerre de retour. Et qui est ce monsieur? C'est François Mitterrand. Et c'est François Mitterrand. François Mitterrand qui doit beaucoup à Henri Freinet, en définitive. On a rarement vu François Mitterrand avoir un regard admiratif à l'égard de quelqu'un, en fait. Hein, sans vouloir être ironique. Et là, on voit que, oui, pour Mitterrand, Freinet est le héros. Et le héros qui montre le chemin. Alors, il se connaissait d'ailleurs parce que Henri Freinet, des fois, il quittait Lyon, effectivement, il est né à Lyon, Lyon, capitale de la résistance. Hein, mais parfois, il fallait qu'il se mette un petit peu au vert, donc il allait à Mâcon, il allait en Saône-et-Loire, etc. Et il a rencontré donc, les parents de Daniel Gouze, qui est devenu Daniel Mitterrand, en fait. Hein. Et il préparait le bac, il lui a préparé le... Mais il préparait le bac avec elle, il préparait son bac, en fait. Hein, et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Mitterrand. Et donc, ils sont devenus très amis à ce niveau-là. Et donc, Henri Freinet, qui va être le futur président de l'Union européenne des fédéralistes. Hein. Et ils vont se retrouver dans le cadre de l'UDSR, dont je parlerai tout à l'heure. Alors voilà, nous sommes à Alger, hein, c'est le CFLN, Comité français de la libération nationale, le proto-gouvernement de la France libérée. Et vous avez Freinet ici présent, vous voyez. Donc un bel homme très ambitieux, mais une ambition qui est reliée à un idéal. Hein, ce n'est pas l'ambition politicienne, puisque d'ailleurs il va arrêter. Il aurait pu faire une carrière politique. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est l'Europe qui m'intéresse. Et de Gaulle, hein, qui est là, qui lui a fait confiance, même s'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Bon, donc Freinet permet, je pense, de mieux comprendre la difficulté de la résistance à se positionner en dehors d'un cadre strictement national et en dehors des deux pôles majeurs de la résistance, à savoir le pôle gaulliste et le pôle communiste. Et moi, je me suis intéressé à ce qui se passe entre les deux. Alors, c'est le fondateur de Combat, donc c'est le colonel Passy, donc c'est pas Freinet qui le dit, mais le colonel Passy, le patron des services secrets, le BCRA de Gaulle, dit oui, Freinet a créé la cellule mère de la résistance. À savoir, il a imaginé un écosystème global, à la fois l'armée secrète, parce qu'il faut bien se battre à un moment donné, la propagande, il faut mobiliser les esprits, ouvrir les yeux des Français. Ce qui n'était pas chose facile. Il faut créer un service social, c'est Bertie Albrecht, sa compagne de cœur et de combat. Un service social, parce que quand vous devenez clandestin intégral, vous n'avez plus les moyens de vivre. Comment vous faites si vous avez des enfants? Vous voyez? Donc, ils ont imaginé de recueillir des fonds pour financer des jeunes résistants qui n'avaient plus le moyen de vivre. Et puis, il y a aussi, à partir d'un certain moment, une conception politique. Qu'est-ce qu'on va faire de la France et de l'Europe à la libération? On ne va pas risquer notre peau pour laisser la France entre les mains de n'importe qui, en fait, et de l'Europe aussi. Alors, il y aura un conflit, effectivement, avec De Gaulle et Jean Moulin, suite à l'affaire suisse, en fait, quand Henri Freinet, constatant le décalage qui existait entre les besoins croissants de la résistance suite au STO, au refus du STO et à la naissance des maquis, et puis la faiblesse des moyens budgétaires, même s'ils étaient de plus en plus importants, mais néanmoins, les mouvements de résistance, les réseaux se développant, il y a
encore plus de besoins d'argent, d'armes, de réseaux, de communication, etc. Et ce décalage était terrible. Et donc, il imagine de créer une délégation de la résistance en Suisse pour accéder à de l'argent, à l'argent des Alliés, les Anglais et les Américains surtout. Et c'était ça le grand problème. Hein. Parce que en Suisse, à Berne en particulier, il y avait le représentant des services spéciaux américains, Alan Dulles, qui représentait donc les premiers services spéciaux unifiés des États-Unis, OSS, Office of Strategic Services. Et Alan Dulles, futur patron de la CIA d'ailleurs, le frère de John Foster Dulles, futur secrétaire d'État, qui était très francophile. Ils avaient créé un cabinet d'affaires en France dans les années 20 d'ailleurs, donc ils connaissaient parfaitement, ils avaient un gros réseau français et européen. Et Alain Delos a aidé les mouvements de résistance français, mais aussi roumains, tchèques, polonais, etc., etc. Allemands aussi d'ailleurs. Ça s'est su, et ça c'était un grand drame dans la résistance, parce que peut-être la crise la plus grave, hein, Jean Moulin a accusé Henri Freinet et ses hommes de poignarder dans le dos le général de Gaulle, je cite, et Freinet a accusé Jean Moulin de commettre un crime contre la résistance en voulant supprimer la manne américaine, qui permettait justement d'acheter des armes, d'acheter du matériel, d'alimenter les maquis, etc., etc. Et alors, ma conclusion, si vous voulez, donc je suis allé dans les archives américaines pour lire tous les télégrammes qu'Alan Dulles envoyait depuis Berne au State Department ou à l'OSS, etc. J'ai vu tous les télégrammes pour savoir s'il y a eu une manipulation ou pas. Ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de manipulation. Mais s'il y a eu de la manipulation, je l'aurais dit, je l'aurais écrit, bien entendu. Mais il n'y a pas eu de manipulation, en fait. Hein. Mais il faut comprendre les gens de l'époque, le général de Gaulle, qui était dans une position extrêmement difficile. Les Américains n'étaient pas favorables au général de Gaulle. Ils ne reconnaissaient pas sa légitimité. Le général de Gaulle était dans une position extrêmement difficile et délicate. Et donc, il faut comprendre cette hypersensibilité à cette initiative. Alors, la résistance, vous voyez, si j'étais prof de lycée, par exemple, je montrerais à mes élèves ce schéma qui indique que la résistance, ce que j'appellerais un phénomène polygénique. C'est pas monogénique, c'est pas né d'une personne à un moment donné. Hein. Non, c'est pas né le 18 juin 40. Hein. Oui, il s'est passé quelque chose de très important en 1840, mais il s'est passé plein d'autres choses en dehors. Donc, et d'abord en France, hein, il y a les résistances intérieures, et puis il y a la zone sud, il y a la zone nord, c'est pas la même chose. Il y a la résistance de Londres, bien entendu, hein, même si à Londres, il y a des résistants qui ne sont pas gaullistes, hein, notamment les socialistes, hein, qui sont plutôt anti-gaullistes d'ailleurs, parce qu'ils n'aiment pas trop qu'un général s'occupe de politique. Hein. Ça, c'est le vieux sentiment républicain. Vous avez les États-Unis. Il y a aussi tout un des intellectuels, type Jacques Maritain, par exemple, ou des politiques comme Henri de Kirillis. Vous avez la Suisse, j'en ai parlé. Hein, et la Suisse va jouer un rôle fondamental dans la naissance, justement, d'une conscience européenne, dans la naissance d'une volonté de faire l'Europe pour éviter le retour des guerres et des nationalismes. Et puis, il y a le pôle algérois même, hein, avec le conflit Giraud-De Gaulle, etc., Jean Monnet, Henri Freinet, qui essayent de penser l'Europe de demain et qui ne sont pas toujours d'accord avec De Gaulle. Et puis, bien sûr, il y a l'Afrique équatoriale française que je n'ai pas montrée. Bon, bref, oui, la résistance, c'est un phénomène complexe, c'est un phénomène polygénique qui n'est pas lié à un homme en particulier. Alors, tout le problème, ça va être d'unifier ces forces, et ça, c'est pas simple. Et puis de transformer cette force extraordinaire en projet politique. Vous avez ici, notamment, puisque un historien travaille sur des documents, vous avez ici, tiens, je ne sais pas pourquoi ça s'est changé, vous avez donc des télégrammes, hein, qui passent
qui sont produits en France, qui passent en Suisse et qui après se retrouveront peut-être à Londres et ailleurs. Voici quelques informations. Bon. alors, l'inspiration de Freinet. Comment on devient Henri Freinet? C'est une question que je me suis posée. Et j'étais ravi de trouver à Paris récemment, à côté de la place du Panthéon, ce street art, comme on dit maintenant, cette image de Bertie Albrecht, qui était faite. Alors, c'était signé C215 et j'ai identifié l'artiste qui est à l'origine. Bertie Albrecht va être le Pygmalion de Freinet. Je dirais presque que sans Bertie Albrecht, Freinet ne serait pas devenu Freinet. Et c'est intéressant de noter parce que cette femme féministe, qui était membre de la Ligue des droits de l'homme, qui était issue d'une famille bourgeoise, la haute société protestante, qui était mariée à un banquier, qui aurait pu vivre tranquillement sans s'intéresser au sort des femmes, des malheureux, etc., et des antifascistes persécutés, cette femme, elle va sortir de son rôle traditionnel pour accueillir dans son grand appartement de Paris des exilés antifascistes et antinazis. On est au début des années 30. Et elle va s'engager notamment, comme je ne sais pas à quoi ça correspond exactement aujourd'hui, mais surintendante d'usine, genre assistante sociale, mais d'un certain niveau. Elle a été à la Samaritaine, elle était à Saint-Étienne, elle sera à Villeurbanne pendant la guerre. Voyez. C'est quelqu'un qui s'engage au service des femmes, des travailleuses en particulier. Bien que issue d'un milieu très bourgeois, elle va rencontrer Freinet un peu par hasard parce qu'ils ont une maison de campagne à Sainte-Maxime, dans le sud de la France, et ils vont nourrir une passion en fait, pas simplement une passion amoureuse, mais une passion des idées, et puis avec la conscience de l'urgence à agir dans un monde qui est en train de basculer. Et c'est elle d'ailleurs, lui il est jeune officier très brillant. École supérieure de guerre, au lieu de suivre une carrière de militaire classique qui lui aurait permis de terminer général, il n'a terminé que colonel, si je puis dire, et c'est elle qui lui dit il faut faire quelque chose pour l'Europe parce que le nazisme est en train de mettre en péril la civilisation européenne. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver donc au centre d'études germaniques à Strasbourg. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise récemment parce qu'on a un projet de publier avec Presse Fédéraliste le mémoire qu'Henri Freinet rédige quand il va au Centre d'études germaniques de Strasbourg. Le Centre d'études germaniques de Strasbourg, c'est une vigie de l'Europe en péril, en fait. Les mémoires, et j'ai encore vu donc récemment à Strasbourg un ensemble de mémoires qui ne sont pas connues, qui sont extraordinaires de lucidité sur les menaces que représente le nazisme. À une époque où on était assez peu sensible, justement, à cette menace civilisationnelle que représentait le nazisme. Imaginez que triomphait quand même Louis-Ferdinand Céline. Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres. Non, c'est pas Hitler qui veut la guerre, c'est les Juifs. Et ce mythe était extrêmement populaire, y compris dans les milieux intellectuels. Qui avait lu Mein Kampf? Peu de gens. Oui, Freinet avait lu Mein Kampf. Tous les jeunes officiers qui sont là, et des agrégatifs d'Allemands, d'ailleurs, parce que ceux qui préparaient les garnisons d'Allemands faisaient ce centre, mais aussi des militaires qui étaient voués au service secret, en fait. Donc il faut comprendre l'ennemi. L'ennemi, ce n'est plus l'Allemand de 1914, c'est autre chose. C'est l'ennemi de l'Europe, pas que l'ennemi de la France. Et eux avaient déjà cette conscience. Donc ce texte-là, qu'on va heureusement publier, il est signé le 1er juin 1938, et ce texte, il montre que Freinet, il existe comme résistant, si je puis dire, avant 1940-41. Alors qu'on a souvent dénié son ambition éthique, si j'ose dire. Et je pense qu'il fallait le rétablir dans cette complexité et dans cette fidélité à des principes, vous voyez. Alors, il n'est pas très connu, Isabelle, mais en même temps, dans un petit livre qui s'appelle Gallimard Jeunesse,
hein, dans un petit livre qui vient de sortir, que j'ai acheté à Lyon d'ailleurs, on voit par exemple, alors il y a Raymond Braque et Lucie Aubrac, mais aussi Bertie Albrecht et Henri Freinet. Hein, un duo efficace. Et je suis heureux que... Il faut l'acheter, voilà, absolument. Ça ne coûte pas très cher d'ailleurs. Il faut l'acheter parce qu'il est très bien fait ce livre. Je ne sais, sais même pas qui l'a fait d'ailleurs, mais il est vraiment très bien fait. Hein, pour ceux qui ne connaissent rien de la résistance, adultes ou enfants, c'est extrêmement stimulant. Et le drame intime de Freinet, si vous voulez, c'est que Bertie Albrecht, après 3 arrestations, dont une où elle s'est fait passer pour folle à l'hôpital Vinatier, etc., elle était arrêtée à Mâcon suite à un traquenard. Hein. Elle a été torturée, emmenée à la prison de Fresnes, et elle s'est suicidée. Hein. Alors à l'époque, il ne fallait pas dire qu'elle s'était suicidée, mais maintenant on sait qu'elle s'est suicidée pour ne pas parler, en fait. Elle s'est défenestrée, en fait. Hein. C'est le drame de Freinet. Hein. Freinet n'était pas marié, c'était la femme de sa vie, si je puis dire. Donc voilà, il raconte un peu dans un article, vie et mort d'une Française. Pour elle comme pour moi, la guerre était inévitable. Il parle de 1938-39. Nous savions d'une absolue certitude qu'aucune concession ne satisferait le Moloch hitlérien et que dans un avenir proche, deux formes de civilisation se heurteraient. Deux formes de civilisation. Donc non, il ne faut pas présenter Freinet comme un patriote anti-allemand classique, comme son père qui était officier, qui a fait la Première Guerre. Non, il avait conscience qu'il y avait un enjeu civilisationnel qui concernait l'Europe entière. Et ça, c'était dès 1938, dès 1937, dès 1939. Et c'est ça que j'ai voulu apporter, en fait, hein, pour la compréhension de ce personnage. Nous savions que la France allait bientôt subir la grande épreuve. Nous décidâmes de nous y préparer afin de mieux servir. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, si vous voulez, c'est que Henri Freinet, qui perd la femme de sa vie, dans des conditions atroces, eh bien, néanmoins, il dit « il faudra faire l'Europe quand les Allemands auront quitté le territoire national, quand quand on aura anéanti le nazisme. Il faudra repenser à l'Europe, retisser des liens entre les Européens, et ce retissage de liens, ça passe par la réintégration de l'Allemagne. » Donc lui, qui est pourchassé par la Gestapo, les Allemands ont tué sa femme, la femme de sa vie, etc., il dit « il faut faire l'Europe ». Il y a un peu du Mandela dans cette capacité à dépasser son sort. Vous voyez ? Alors, la résistance, ça a été il y a eu un long processus, hein, pour qu'elle devienne un projet politique. Hein. Je vais être assez bref là-dessus. Au début, il y a un apolitisme. Hein. Un apolitisme, par exemple, le général de Gaulle dit « la force militaire que je constitue ne fait pas de politique ». On refuse d'envisager la dimension politique du combat. Et puis ça évolue. Hein, le thème de la démocratie apparaît peu à peu dans son discours, surtout à partir du 18 septembre 1941. Bon, voilà. Et pourquoi il y a cet apolitisme ? Et bien parce qu'il y a la puissance inhibitrice du mythe Pétain. Hein, Pétain qui dit lui aussi « je ne fais pas de politique ». Alors il fait le statut des Juifs, il dérépublicanise la France, mais il dit en permanence « je ne fais pas de politique ». Et les Français, eh bien, au départ, croient à ce mythe de l'apolitisme. Il n'y a jamais eu un régime plus politique que le régime de Vichy. Mais Vichy dit qu'il ne fait pas de politique. C'est de la prétérition, comme on pourrait dire. Et Freinet, dans un texte inédit, qui est ici, ça s'appelle « Pour comprendre la France d'aujourd'hui », il explique, il dit « Oui, la France, hagarde, blessée, sanglante, se jeta dans les bras du vieil homme qui lui apparut comme ce sauveur providentiel que la France rencontre chaque fois qu'elle est en danger mortel. Elle l'imagina comme un soldat pur de toute compromission, de toute vilenie, étranger aux manœuvres politiques. » Et il a raison de prendre en compte la manière dont les Français se représentaient, Pétain. Parce qu'aujourd'hui, on fait des leçons de morale a posteriori, rétroactivement, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais en 41-40, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Et même Freinet a été tenté par le pétainisme, comme tout le monde, sauf le général de Gaulle, pour le coup. Hein. Le général de Gaulle, lui, il a eu une conscience très claire que Pétain, c'était de la trahison. Et ça, il faut rendre hommage au général de Gaulle, avec cette prescience inouïe qu'il avait.
Mais quand on est en France intérieure, quand on n'a pas cette distanciation qui permet de mieux voir les enjeux, eh bien, on est pris par le mythe Pétain. Et Freinet va être pris par le mythe Pétain. Et Daniel Courdier, on en parlait tout à l'heure, va, bien entendu, beaucoup mettre l'accent sur le pétainisme supposé de Freinet au départ. Alors, peu à peu, il y a un processus d'unification de la résistance intérieure, extérieure et extérieure. La France libre, du général de Gaulle, devient la France combattante à partir de l'été 42, où il va essayer d'associer les mouvements de la résistance intérieure. Les mouvements unis de résistance, les murs, comme on dit, eh bien, regroupent combat, franc-tireur, libération, justement. Les trois grands mouvements qui naissent à Lyon pendant la guerre. Et puis après, le Conseil national de la résistance, bien entendu. Et on pourrait faire un petit schéma, vous voyez, de ce qui se passe au niveau de la résistance intérieure, puisque là, je m'intéresse à la résistance intérieure, et la résistance non communiste. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a la résistance intérieure non communiste et la résistance communiste. C'est pas le même métabolisme, c'est pas la même chronologie, c'est pas les mêmes enjeux. Donc vous avez le mouvement de Freinet qui s'appelle le MLN, mouvement de libération nationale, qui va devenir combat, avec la fusion avec Liberté de François de Menton. Et là, on est vraiment dans une culture démocrate chrétienne. François de Menton, professeur des universités, ça va faire combat, et Libération naît à ce moment-là, et franc-tireur, d'accord ? Alors, c'est pas H. Lévy, j'ai fait une erreur. Et ils vont créer les murs, les mouvements de résistance, à partir de janvier 1943. Et puis, les mouvements de zone nord, défense de la France, résistance, voie du Nord, etc., vont ensuite rencontrer les murs, et ils vont former le MLN, mouvement de libération nationale, qui n'est plus un mouvement de résistance, mais qui n'est pas encore un mouvement politique. On est dans une espèce d'entre-deux, mais on sent que la résistance cherche à s'exprimer politiquement. Et ça ne se fera pas. Et c'est vrai qu'on peut parler d'échec politique, d'échec de la transformation de la résistance en mouvement politique. Freinet, qui n'est pas un homme politique, il rêve d'un parti de la résistance. Il dit que la résistance doit subsumer la politique, elle doit incarner la politique de demain. Et vous avez Raymond Aron, un libéral, qui dit « Mais vous n'allez pas reconstituer un parti unique. Le parti unique, c'est la dictature, c'est le fascisme. Donc il faut laisser les partis vivre leur vie. » Et Freinet, et d'autres, Freinet dit « Mais attendez, les partis politiques ont tous foiré. Le parti communiste, à l'exception du parti communiste, d'après Freinet. Freinet considère que le parti communiste... certes, il a eu un petit retard à l'allumage, mais que finalement, il a occupé une place extrêmement importante dans le combat résistant. Mais tous les autres partis politiques, y compris le Parti socialiste, d'ailleurs, n'étaient pas bien considérés par Henri Freinet. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Freinet voudrait que le général de Gaulle prenne la tête du MLN, et de Gaulle va refuser. Donc, du coup, éclatement, avec deux partis qui sont issus de cette mouvance démocrate chrétienne, le MRP, Mouvement Républicain Populaire, donc c'est Robert Schuman. Alors, eux vont faire l'Europe à petits pas. Vous connaissez tous la déclaration de mai 1950. L'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par petits pas, par des actions concrètes, créant une solidarité de fait, alors que les fédéralistes, eux, rêvent du grand soir fédéraliste. Ce qui était, bien entendu, magnifique sur le plan des idées, de l'intention, mais totalement impraticable. Et donc, il y a l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance, qui, elle, va développer un programme fédéraliste. On va retrouver Henri Freinet, puis et bien d'autres. Eugène Claudius Petit, par exemple, et François Mitterrand, également. Alors, la question des buts de guerre se pose à partir de novembre 41. À partir de novembre 41... Le mouvement combat, à travers le mouvement combat, publie un manifeste, et dans ce manifeste, il est dit textuellement « Libérer le territoire de l'ennemi, c'est bien, ce n'est pas assez.
l'instauration d'une Europe politiquement, économiquement et spirituellement unie, étape vers l'unité mondiale, c'est le but de la résistance, en tous les cas, de la résistance du mouvement combat. Et ça, c'est dans ce préambule que la fille de Bertolt Brecht m'a donné, et c'est corrigé par, justement, Bertolt Brecht. C'est très émouvant comme document. Mais ça veut dire que dès 1941, ils avaient une claire conscience que l'enjeu n'était pas que national, il était européen. Alors, bien sûr, on peut faire un petit schéma de l'évolution des thématiques. Au début, c'est lutter contre l'occupant, combattre Vichy peu à peu, parce qu'au début, comme je vous ai dit, on ne combat pas Vichy parce qu'il y a le mythe Pétain qui enfume les esprits, si je peux me permettre l'expression. Après, reconstruire la France, comment ? Détruire le nazisme, refaire l'Europe, gagner la paix, unir le monde pour les plus téméraires, si j'ose dire. Ça, c'est du côté de la résistance non communiste. Alors, le CNR, bien sûr, c'est un mythe français, mais un mythe qui a une véritable réalité. Hein. Il y a plein de choses qui ont été portées par le CNR, hein, Conseil national de la résistance, qui avait été dirigé par Jean Moulin au départ, puis repris par Georges Bidault. Alors, on parle de rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. Mais il n'y a pas le mot Europe, vous voyez, hein, parce qu'on pense que les esprits ne sont pas mûrs encore pour penser l'Europe, rêver de l'Europe. Alors, une question aussi que je me suis posée dans ce livre, c'est comment est-ce qu'on voit justement les enjeux politiques de la France de demain, de l'Europe de demain. Il y a un film très célèbre, d'ailleurs, qui a été fait par Frank Capra, qui s'appelle justement « Pourquoi nous combattons ?» hein, et qui est diffusé en France. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit Roosevelt, Staline, De Gaulle et Churchill. Vous voyez, ça, c'est l'union extraordinaire hein, entre des systèmes très différents, mais qui sont unis pour l'occasion. Alors, prenons le cas du gaullisme. Alors, le projet gaulliste est très traditionnaliste, si j'ose dire. C'est présence définitive d'un bout à l'autre du Rhin. Donc là, c'est la Sarre, ici. Et ça, c'est les zones d'occupation françaises. Hein. Donc l'Allemagne va être saucissonnée, si je peux me permettre l'expression, en différentes zones, avec les Anglais, les Soviétiques, et les Américains. Donc ça, c'est ce que dit De Gaulle en février 1945. Hein. Il veut séparer des territoires de la rive gauche du fleuve et du bassin de la Ruhr de ce qui sera l'État ou les États allemands, parce qu'il y a l'idée d'un démembrement de l'Allemagne. Hein. Il y a l'idée que l'Allemagne doit être démembrée. Et à l'époque, 78% des Français sont favorables à cette partition. 78% des Français, vous voyez. Donc les Français ne sont pas mûrs pour une approche purement européenne. Alors, c'est intéressant de prendre l'opinion de quelqu'un qui s'appelle Georges Bidault. Georges Bidault qui a été donc le successeur de Jean Moulin au CNR et qui va devenir ministre des Affaires étrangères. Alors certes, Georges Bidault va avoir des petits problèmes avec le général de Gaulle après la guerre. Mais à cette époque, voici ce qu'il dit donc dans ses mémoires qui s'appellent « D'une résistance l'autre ». En tout cas, la paix à ses yeux, à de Gaulle, ne pouvait résulter que de l'impuissance de l'Allemagne. Surveillée, occupée, amputée, l'Allemagne, telle qu'il la concevait, n'était pas faite pour déplaire aux Russes. Mais ceux-ci avaient déjà la main sur la proie. La France, admise non sans peine parmi les puissances occupantes, n'avait pas de gage. Pourquoi, puisqu'on amputait l'Allemagne, pourquoi ne pas la démembrer ? Vous voyez ? Amputation, démembrement. Ça, c'était un peu la philosophie gaulliste, et je veux dire, largement acceptée par les Français. Et donc, oui, pour De Gaulle, la France, l'Allemagne doit aider au redressement économique de la France et de l'Europe. Alors que l'Allemagne est en ruine, je vous signale en passant. Hein. Vous savez qu'il y a un film célèbre de Rossini qui s'appelle « L'Allemagne à des zéros ». Donc, comment imaginer que cette Allemagne en ruine puisse aider au redressement économique de la France ? Oui, en annexant des territoires où il y a des richesses. Hein. Donc, on est un peu dans une, et on peut le comprendre, hein, mais on est un peu dans une logique punitive, hein, et on n'est pas prêt à réintégrer l'Allemagne. Alors, et oui, il y a une convergence, hein, une convergence entre le projet gouvernemental français
Et puis les soviétiques. Hein. Le premier acte diplomatique de Gaulle, c'est de créer un pacte franco-soviétique. Hein. Bienvenue à la délégation soviétique, hein, voilà, avec le portrait du général de Gaulle ici et le portrait de Staline ici. Les communistes, prenons les communistes, bien entendu, ils ne partent pas des mêmes présupposés philosophico-politiques que les gaullistes, mais néanmoins, il y a cette idée, voilà, de le Front National, hein, mouvement qui avait été créé en 1941 à l'instigation du PSCS, le Front National pour la libération, la renaissance et l'indépendance de la France. Hein. Le Parti communiste est très hostile au Parti socialiste qui commence à évoluer, justement, à se rapprocher d'un point de vue européiste. Alors voici ce que... Donc il y a le Parti socialiste envoie au Parti communiste un programme commun en disant « Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus ?» Réaction des communistes. « Pour tout patriote qui réfléchit le problème essentiel des relations internationales lors de la libération, c'est le maintien de l'unité de la France et la restauration de sa grandeur. » Hein, on retrouve encore une expression gaulliste. Le Parti socialiste ne pose pas ce problème. Oui. Donc, les communistes pensent que les socialistes sont trop pro-européens et pas assez attachés à la grandeur de la France. Donc là aussi, on a un clivage extrêmement important. Le PCF, à l'époque, c'est un parti à deux chiffres, hein, c'est pas rien. Alors arrive cette troisième voie. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise depuis Fourvière, parce que ça se passe quand même à Lyon, hein, bien entendu. Et ça se passe dans le milieu chrétien-humaniste, personnaliste, autour des gens comme Emmanuel Mounier. Et puis, il y a le mouvement témoignage chrétien, le seul grand mouvement de résistance spirituelle en France, avec, vous connaissez tous cette phrase admirable du premier cahier, « France, prends garde de perdre ton âme ».« France, prends garde de perdre ton âme ». Et... Alors, il y a des jésuites très célèbres, il y a des maristes, il y a bon, Père Chaillet, François Vérillon, c'est œcuménique, il y a le pasteur Roland de Pury, il y a Jean-Marie Soutou, un personnaliste. Et puis, il y a François Vérillon. François Vérillon, il se trouve que j'ai publié il y a très longtemps, je ne veux pas dire la date parce que ça va me rajeunir, mais en fait, le premier livre que j'ai publié, c'était le journal intime de François Vérillon, en fait. Quand il était jeune, il était amoureux d'une jeune fille, d'une jeune lyonnaise, parce que ça se passe à Lyon, cet amour ne sera pas consommé parce qu'il s'est déjà engagé à prononcer des vœux. Et il se trouve qu'il est ami à cette époque avec Lucien Rebattet, bon, un autre lyonnais tristement célèbre, puisque lui, il s'engagera du côté du fascisme, avec notamment... le best-seller d'occupation, Les Décombres. Et voici ce que dit François Vérillon. Alors, François Vérillon, il fait partie de ces jésuites de la Rénovation qui voulaient développer une théologie pour les laïcs. Il y a encore des groupes Vérillon, d'ailleurs, en France. Et c'est une pensée humaniste du christianisme. Et il avait notamment cette phrase qui disait « Dieu divinise ce que l'homme humanise ». C'est remettre la religion au corps de l'humain, en fait. Et il a dit, à cette époque, la grandeur chrétienne n'est pas dans l'évasion, mais dans l'affrontement. Dans l'affrontement. Et le Pierre Chaillet a publié un livre que je trouve extraordinaire. Je ne crois pas qu'il soit connu, je ne sais pas s'il est connu. Bon, très bien. Pas très connu, mais un petit peu connu des spécialistes comme vous, Isabelle. Et le Pierre Chaillet, il se baladait en Europe avant la guerre, et notamment en Autriche, il parlait l'allemand, etc. Je pense qu'il était plus ou moins lié aux services spéciaux. Et il a vu ce que l'Anschluss a produit en Autriche. Il était à l'intérieur du système. Et il écrit un livre qui est génial, qui s'appelle « L'Autriche souffrante ». Et Pierre Chaillet va être recruté, entre guillemets, par Freinet pour être un éditorialiste de la première version de la revue Combat, du journal Combat clandestin, qui s'appelait Vérité. Il y a eu les petites ailes, Vérité, je ne vais pas entrer dans les détails. Et dans ce livre, qu'est-ce que dit Chaillet? Il dit il faut comprendre que le nazisme, c'est pas seulement une menace pour la France, mais c'est une menace pour les racines humanistes et chrétiennes de la France. Et il dénonce la mystique de la race et du sang
qui, selon les nazis, doit changer la carte de l'Europe. Vous voyez ? Ce niveau de réflexion est quand même extrêmement rare à l'époque. Effectivement, Alfred Rosenberg, l'idéologue d'Hitler, développe une idéologie antichrétienne. Hein, le nazisme, c'est une idéologie antichrétienne. Et d'ailleurs, Rosenberg, dans son journal, il se félicite que les églises se dessèchent. Enfin, l'église catholique détruite permettra à l'Europe de mieux respirer. C'est dans le mythe du XXe siècle. Le Vatican, d'ailleurs, va réagir en publiant des études sur le mythe du XXe siècle, en 1934, et va le mettre à l'index. Réaction de Rosenberg, et que cite d'ailleurs le père Chaillet, ils ont compris que désormais tout est en jeu et que l'on fait à présent sauter 2000 ans de sédimentation étrangère. 2000 ans de sédimentation étrangère, c'est le judéo-christianisme. Parce que le christianisme romain fondé sur l'angoisse et l'humilité, alors que le national-socialisme, c'est le courage, la fierté, le grand bouleversement a commencé. Et ça, c'est Freinet qui le détecte à Strasbourg, en étudiant l'Allemagne, avec ses amis de l'époque. Alors, c'est le mythe nordique, je ne reviens pas là-dessus, etc. Alors, oui, ces intellectuels chrétiens-démocrates, comme André Philippe, qu'on ne présente plus à Lyon, Alexandre Marc, François de Menton, eux commencent à avoir une certaine clairvoyance sur les enjeux du combat. André Philippe dit au général de Gaulle ce que Henri Freinet aurait pu lui dire, et lui dira d'ailleurs, « Vous vous battez pour restaurer la grandeur de la nation, je me bats pour construire une Europe socialiste et démocratique. » Où là, on voit déjà des lignes de clivage, vous voyez, qui s'opèrent discrètement. Et combat va être, d'après moi, le journal qui va le plus loin dans l'affirmation de la nécessité de libérer à la fois la France et l'Europe. Dans le manifeste de combat publié ici, septembre 42, écrit par Freinet, Claude Bourdet, futur fondateur du Nouvel Obs, qui s'appelait France Observateur, Henriot, qui était un prof de droit. Voici ce qu'ils disent en septembre 42. La révolution que nous portons en nous est l'aube d'une civilisation nouvelle. C'est le sens de la guerre civile mondiale. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une guerre étrangère d'État-État, c'est une guerre civile mondiale. L'histoire nous apprend l'élargissement constant des frontières. Les États-Unis d'Europe, un vieux slogan de Victor Hugo, une étape dans la voie de l'unité du monde seront bientôt une réalité vivante pour laquelle nous nous battons. Voilà. À partir de ce moment-là, on ne se bat pas seulement pour la France, bien sûr qu'on se bat pour la France, mais pour quelque chose qui est aussi supérieur à la France. Parce que la France, c'est l'Europe et c'est le monde aussi. C'est un emboîtement. On se bat pour le monde, pour la liberté, l'égalité, la fraternité, pour le monde, en fait. Et ça, c'est quand même assez rare. Et c'est un des rares journaux qui va aussi loin dans l'affirmation de cette nécessité de faire l'Europe. Résistance, espoir de l'Europe. Les peuples, dans leur misère et par elle, ont plus évolué en 3 ans qu'ils ne le firent en 50 ans. Alors, ils se trompent un peu, d'ailleurs, sur le degré de maturation des peuples, en définitive. Hein. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on pense à la rédemption de l'Allemagne par la souffrance qu'elle endure aussi. Hein. Et ça, c'est assez rare hein, dans les journaux clandestins. Combat, alors c'est le combat d'Alger, hein, mars 44. Aujourd'hui, les souffrances cruelles du peuple allemand nous paraissent être la seule chance d'imprimer dans la chair de cette nation tragique l'horreur de la guerre. Mais demain, nous ne désirons pas que l'on fasse de la vie de chaque Allemand un calvaire. Ne recommençons pas les erreurs de l'après-première guerre mondiale. Et ça, c'est énorme. Quand on sait que les Français vivent les horreurs de la guerre. Et la guerre, c'est les Allemands. Mais néanmoins, il y a des gens qui ont cette capacité de voir plus loin que les autres. Freinet va à Londres 2 fois, en novembre 42 et à l'été 43, un petit peu au début de l'automne. Le 8 novembre 42, alors c'était la mauvaise date, parce que le 8 novembre 42, vous le savez, les Anglo-Américains envahissent, entre guillemets, l'Afrique du Nord. Donc de Gaulle, il avait autre chose à penser
parce qu'on ne l'avait même pas prévenu. On l'avait prévenu le jour même, hein, ce qui n'était peut-être pas très sympa, bien entendu. Et Freinet, donc, est clandestin à Londres. Il va, non pas pour parler de Jean Moulin à ce moment-là, mais pour dire au général de Gaulle de plus républicaniser son discours, pour faire cette alliance entre la résistance intérieure et la résistance intérieure, extérieure. Et il écrit cette lettre, et donc qui est intégralement publiée dans ce livre, parce qu'il y a une partie document, je n'en ai pas parlé, mais il y a toute une partie document. Ça, on a fait ça avec Jean-Francis pour les profs, etc., vous voyez, pour avoir des documents à disposition. Hein. Je pense que c'est bien aussi de montrer les documents, pour ne pas être seulement ceux qui parlent des documents sans les montrer. Il faut montrer les documents, et je suis ravi qu'on ait pu trouver de quoi faire un gros livre, en fait. Hein. La première partie, c'est plus une analyse, et puis la deuxième partie, c'est des documents. Donc, il écrit au général de Gaulle, et c'est quand même extraordinaire, parce qu'il est très jeune, il n'est que capitaine. Alors, le général de Gaulle, certes, c'est un très jeune général, hein, à titre précaire, mais génial sur le plan politique. Et il lui écrit, là je vous montre, le début de cette lettre. Si les pays totalitaires portent la responsabilité rapprochée de la guerre, ce sont les pays démocratiques qui, eux, portent la responsabilité lointaine. Hitler et Mussolini sont leur création. Il dit oui, les démocraties n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire. Elles n'ont pas réagi comme elles auraient dû réagir, d'une part. Et il dit, je ne vais pas tout lire, mais il dit, l'erreur capitale, le péché mortel devant l'histoire serait de vouloir, ça c'est pour la suite, restaurer ces États dans la plénitude d'une illusoire souveraineté. Donc il dit, premièrement, attention, la culture stato-nationale, ça peut déboucher sur le nationalisme, donc la guerre. D'ailleurs, c'est le dernier discours de François Mitterrand à l'Assemblée européenne. Hein, vous souvenez, il va mourir quelques temps après. Il dit, il termine, il parlait sans notes, c'est un discours extrêmement émouvant. Il dit, le nationalisme, c'est la guerre. C'est ce que dit Freinet, en fait, là. Le nationalisme, c'est la guerre. Bien sûr que la nation, ce n'est pas forcément le pire, parce que la nation a été aussi l'espace de la solidarité, et ça l'est toujours aussi. Mais en 1900, après la Deuxième Guerre mondiale, la souveraineté nationale, ça ne veut plus rien dire. Et on le sait bien que ça ne veut plus rien dire. Les historiens type Lucien Febvre ou Marc Bloch, depuis longtemps, depuis les années 30, ont bien expliqué que la souveraineté nationale, ça n'existe pas. Lucien Febvre a fait un cours génial au Collège de France en 1944-45 sur la civilisation européenne. Il explique bien que, bien sûr, tous les peuples sont fascinés par le mythe des origines. Oui, le mythe des origines. Mais il dit, mais c'est quoi l'origine? On ne sait pas ce que c'est que l'origine. Et c'est le plus grand historien français qui le dit. Comment est née la France? On n'en sait rien, c'est complexe. La France n'existe pas en tant que telle, elle n'est pas née comme ça, par un fiat lux. Il y a toujours eu des migrations. Nous sommes tous débiteurs et créditeurs des uns et des autres. Et la souveraineté n'existe pas. C'est un mythe. Et ça, c'est très fort. Hein, c'est très fort. Mais même aujourd'hui, on a du mal encore à comprendre que, oui, un pays seul ne peut pas faire face aux défis du monde. Hein. Mais ça reste encore dans l'imaginaire collectif. Alors il dit au général de Gaulle, il faut éviter le morcellement de l'Europe et il faut construire une paix de justice et de générosité. De générosité à l'égard de l'Allemagne. Alors, de Gaulle ne va pas du tout l'écouter. Alors, d'ailleurs, j'ai aucune trace d'une réponse du général de Gaulle. Les Français, estime Freinet, aspirent à un patriotisme d'essence plus généreuse, d'un universalisme plus grand. Vous voyez, c'est sa croyance. Hein. Alors, c'est largement une croyance parce que c'est quand même pas partagé. Alors, c'est pas partagé par de Gaulle, d'une part, hein, et puis c'est pas partagé par les gens. Hein. Vous savez que le premier jumelage entre une ville française et une ville allemande, c'est Montbéliard, avec Ludwigsburg, le maire qui était ancien déporté résistant a été voué aux gémonies. On le traitait de traître parce que Montbéliard avait été associé à Ludwigsburg. Vous voyez, on est dans les années 50. Donc oui. Bon, et moi qui suis
issu de l'Est de la France, j'ai bien conscience de ça, hein, c'était pas simple. Alors, le général de Gaulle, le général de Gaulle aimait beaucoup Freinet aussi, hein, même s'il ne partageait pas les mêmes idées. Là, c'est un truc inédit, c'est une petite note inédite. Je ne sais pas s'il est dans le livre, Jean-Francis, peut-être. Oui, non, peut-être pas. Mes compliments pour votre discours de dimanche soir que j'ai entendu à la radio. Parce que Freinet est ministre, donc il parle à la radio, il dit voilà, bon. Voilà. Et donc, cette résistance démocrate chrétienne, largement, mais pas que, hein, œcuménique, va lancer les premiers signes d'un réseau fédéraliste européen en Suisse. Suite justement à cette délégation de la résistance en Suisse que Freinet a créée. Et c'est notamment Jean-Marie Soutou, le père d'un grand historien français qui s'appelle Jean-Henri Soutou, qui était professeur à la Sorbonne, professeur d'histoire des relations internationales. Il était très jeune à l'époque, il était arrêté à Lyon parce qu'il a fait partie des amitiés chrétiennes qui protégeaient des enfants juifs, qui les emmenaient en Suisse d'ailleurs. Il va être arrêté et après il va se réfugier en Suisse. Et donc j'ai eu tout un échange avec lui, il était très âgé à l'époque, mais vous voyez, ça c'est le travail que j'ai fait avec lui pour lui demander ce qui se passait concrètement en Suisse à ce moment-là. Parce que le premier manifeste des résistances européennes pour l'Europe, ça se passe en Suisse en juillet 1944. Pas que les Français, mais des Allemands, des Italiens surtout, parce qu'il y avait une complicité extrêmement intense entre les fédéralistes italiens, antifascistes, résistants, persécutés, et qui se retrouvent en Suisse pour éviter la persécution fasciste, les Français, mais aussi des Allemands, mais aussi des Hollandais, mais aussi des Roumains, etc. Il se passe quelque chose de fabuleux, et ça m'a beaucoup fasciné, je le dis sincèrement. Il se trouve que en Italie, il y a le manifeste de Van Totten, 1941, où on parle déjà de dépasser l'idéologie de l'indépendance nationale. Et ça se passe en Italie, et bien entendu, Freinet en 1941, il ne sait pas qu'il se passe ça. Mais dans le manifeste de combat, c'est exactement la même chose. Alors il dit oui, il faut créer un nouvel organisme, hein, qui sera la création la plus grandiose, la plus innovatrice mise sur pied en Europe depuis des siècles. Il y a cette idée qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et donc les exilés antifascistes italiens se retrouvent en Suisse, notamment Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, peut-être un des plus grands fédéralistes. On en parlait à Turin l'autre jour, d'ailleurs. Et Spinelli, qui est réfugié sur l'île de Van Totten et qui va rédiger ce manifeste, et qui va être commissaire européen, d'ailleurs, hein, après la guerre. Là, c'est un Roumain. Là, c'est Alexandre Marc qui va participer à la création de Témoignages chrétiens. Hein. Donc, il se passe plein de choses. Je passe là-dessus, mais j'ai essayé de schématiser les réseaux fédéralistes de la résistance européenne en Suisse. Il y a des réfugiés français européistes qui sont là à titre individuel, si je puis dire, comme par exemple le poète Pierre-Jean Jouve. Il y a la délégation française de la résistance créée par Combat, où il y a le général Davet, Jean-Marie Soutou, Philippe Monod, Guylaine Bénouville, etc. Il y a des réfugiés italiens européistes, hein. Il y a notamment un futur président de la République italienne. Et puis, il y a d'autres réfugiés européistes. Hein. Il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Bien sûr qu'ils étaient quand même plus libres de pouvoir s'exprimer sur le sujet que dans leur pays respectif. Même s'il fallait faire très attention parce que la Suisse, certes, elle tolérait leur présence, mais il fallait qu'ils restent extrêmement discrets. Et donc ils vont donc rédiger cette déclaration des résistances européennes
qui se trouve dans ce livre qui n'est plus publié, de Jean-Pierre Gouzy, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, parce qu'il va être secrétaire d'Henri Freinet quand Henri Freinet va être président de l'Union européenne des fédéralistes. Les pionniers de l'Europe communautaire, un livre vraiment excellent. Je ne sais pas s'il a été réédité depuis, je ne pense pas, non, non. Voilà. Et puis je termine sur cet échec justement dont on parlait tout à l'heure, l'échec de l'ambition fédéraliste de la résistance à la libération. Alors, unifier la résistance contre les communistes et centre de Gaulle, ah, c'est difficile, bien entendu. Ça, c'est le MLN, hein, avec Dacier de la Vigerie derrière. C'est difficile, hein, très difficile. Alors, le MLN, dans son manifeste, dit un peu ce que disaient les Italiens à Van Teuten. Voilà, il faut lutter pour la création d'une fédération européenne démocratique ouverte à tous les peuples européens, y compris l'Angleterre et l'URSS. Alors, ils ne disent pas encore l'Allemagne, y compris l'Angleterre et l'URSS, voyez. Abandon de la souveraineté dans certains domaines, économiques, militaires, diplomatiques, coloniales, de citoyenneté nationale et européenne. Et puis, un État fédéral commun qui procéderait démocratiquement et directement des peuples. Hein. Donc, ça, c'est pour contrer l'argument très classique aujourd'hui, hein, d'une Europe antidémocratique, technocratique, etc., etc. Ils avaient déjà cette idée. Hein. Et par exemple, Lyon Libre, qui est dirigé par André Ferrat, qui fait partie de ces mouvements de résistants fédéralistes, ça c'est une étude qu'on pourrait faire, parce qu'à mon sens, il n'y a pas d'étude sur Lyon Libre, hein, alors que c'est un journal extrêmement intéressant. Il veut bâtir une Europe, et une Europe démocratique et socialiste. C'est un peu le leitmotiv de l'époque, mais ça ne va pas marcher, bien entendu. Voilà. Alors, en même temps, il y a l'émergence d'une convergence gaullo-communiste, on l'a vu, hein, alliance avec l'URSS, cadre national, méfiance à l'égard de l'Allemagne éternelle et anti-américanisme. Hein. Les communistes, et j'en viens à mon propos initial, pourquoi Freinet a été autant marqué par par les communistes? Il était très proche des communistes au départ. Il a même demandé, et là il y a des lettres qui existent, au général de Gaulle, d'intégrer dans le CFLN, donc le proto-gouvernement démocratique de la France, à Alger, d'intégrer les communistes. Disant, moi, je travaille avec eux, main dans la main, dans la résistance intérieure. Certes, on n'a pas la même philosophie, on n'a pas les mêmes objectifs politiques, mais il faut faire avec eux. Parce que mettre les communistes de côté, c'est dangereux pour la France. Et il avait raison, d'une certaine manière. Mais les communistes vont le voir comme un rival. Parce que c'est un grand résistant, c'est un héros de la résistance. Et il n'est pas communiste, ça se sait. Alors, il n'est pas anticommuniste non plus, si vous voulez. Mais lui, il est pour qu'il y ait une diversité de la résistance et une unification de la résistance à travers le MLN, le mouvement de libération nationale dont on a parlé tout à l'heure. Mais il va refuser que les communistes prennent l'avantage au MLN. Parce que les communistes voulaient mettre la main sur le MLN et lui a refusé. Et il est devenu l'homme à battre, en fait. Et là, vous voyez, en plus, il est ministre des prisonniers de guerre, des réfugiés, des déportés, ce qui est une fonction extrêmement délicate. Et là, voilà, on voit un habit. Hein, là, c'est l'habit de... Bah, c'est présenté, c'est un habit déchiqueté qui est censé représenter ce que Freinet donne à ceux qui reviennent des camps. Et c'est marqué « Effet, effort de monsieur... » Ah non, « Offert par monsieur Français », parce que j'arrive pas à lire, là. « Offert par monsieur Freinet ». Vous voyez ? Donc, il y a une campagne extrêmement dure contre Henri Freinet. Escroquerie, détournement, réquisition abusive, personnel 10 fois trop nombreux, utilisation des fichiers soi, des postes parfois responsables, des pentes somptuaires, mépris pour les prisonniers, etc., etc. Vous voyez, c'est très dur, hein, et injuste. D'ailleurs, il y a un procès qui va tourner à l'avantage de Henri Freinet. Et puis, on l'attaque aussi sur l'aspect européen. Bah, pas que français, pas que Henri Freinet, à travers Henri Freinet, c'est tout ceux qui souhaitent faire l'Europe. Et par exemple, Pierre Hervé, dans ce livre, La libération trahie,
qui stigmatise Henri Freinet, même s'il le nomme pour ainsi dire jamais, une fois je crois, c'est le petit bourgeois qui, de par sa position intermédiaire, coincé qu'il est entre la bourgeoisie et le prolétariat, se veut au-dessus des classes, au-dessus des partis, au-dessus des conflits, et qui transmue finalement sa médiocrité en idéal. D'où son amour des positions absolues, des jugements moraux et des illusions consolatrices qui l'aident à se faire une bonne conscience dans un univers voué aux relativités. La libération a coïncidé avec une débauche d'utopisme. Voilà. Les pro-européens sont des utopistes qui ne sont pas capables de voir la réalité en face, c'est-à-dire la lutte des classes, c'est-à-dire l'intérêt de la nation, en fait, puisque c'est mélangé à ce moment-là. Freinet va réagir parce qu'il était extrêmement choqué par cette campagne. Ça va s'appeler méthode d'un parti, alerte aux démocrates. Ça, c'est quelque chose qui est très rare. Ça, c'est je l'ai trouvé donc à l'Ours, donc grâce à Jean-Francis Billon. L'Ours, qui est les archives du Parti socialiste à Paris. Et donc il dit, depuis de nombreux mois, l'humanité me couvre d'injures avec une remarquable persévérance, etc., etc. Elle tente successivement de m'atteindre dans la gestion de mon ministère, dans mes sentiments républicains et aussi dans mon honneur. Une presse provinciale zélée répète en cadence des slogans que ses maîtres parisiens lui fournissent, etc., etc. C'est un homme blessé. C'est un homme blessé. Je pense personnellement que l'énigme Jean Moulin, qu'il va publier en 1977, est le contre-effet de cette campagne de diffamation. Et c'est pour ça qu'elle ne conduit pas la lucidité. Elle lui fait dire des choses qui sont de l'ordre du ressentiment, mais qui ne sont pas de l'ordre de l'histoire, en fait. Mais on peut comprendre humainement ce qui s'est passé. Alors, il y avait toute une effervescence fédéraliste à l'époque. Ça, c'est un document que j'ai retrouvé à Londres, aux Archives nationales, parce qu'on est en 1948, quand va être organisé le Congrès de l'Europe à La Haye, vous savez, ce grand moment européen, avec Churchill comme maître des cérémonies. Et donc, du coup, le Foreign Office, qui est travailliste, donc il ne regarde pas d'un bon œil Churchill, qui n'est pas travailliste, bien entendu, en disant, oh, qu'est-ce qu'il va faire là-bas, est-ce qu'il va parler au nom de l'Angleterre, etc. Et puis finalement, dans les archives, on voit que bah, finalement, oui, bah, Churchill, en fait, il est pro-européen, mais pour des raisons tactiques. Il est plutôt anti-soviétique, et il pense qu'il faut faire l'Europe pour contrer l'Union soviétique. Mais pas pour faire l'Europe européenne, en fait. Ça, c'était une illusion, c'est la grande illusion, je dirais, du congrès de La Haye. D'ailleurs, Freinet n'y participe pas, d'ailleurs. Il n'y participe pas. Mais alors, c'est intéressant parce qu'on a une carte, là, des mouvements fédéralistes. Alors, c'est pour ça que je parle d'effervescence fédéraliste. Il y a plein de groupuscules qui se développent d'un peu partout. Alors, on retrouve le petit mouvement de Freinet quand il quitte le gouvernement LUDSR, quand il est blessé, il crée Socialisme et Liberté, par exemple, vous voyez. Mais on voit bien que c'est en France que ça se passe. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de mouvement italien, par exemple. Alors que le mouvement italien existait vraiment, mais pour les Anglais, c'était surtout à travers la France que le combat fédéraliste était engagé. Et puis, je vais bientôt terminer, mais je ne peux pas terminer sans évoquer la première conférence fédéraliste qui a lieu à Paris en mars 1945, organisée par le CIF, Comité international pour la Fédération européenne, où l'on retrouve les successeurs de Freinet à Combat, parce que le journal Combat est devenu un grand journal à la Libération, vraiment de haut niveau. Alors, il y a plein de gens du MLM, d'ailleurs. Pascal Pia, Albert Camus, Jacques Baumel, André Ferrat. Oui, c'est un nom prestigieux, avec notamment Albert Camus. Et Albert Camus, lui aussi, se fait le porte-parole d'Henri Freinet, ce qui n'est pas très connu, en disant que, oui, il faut s'interroger sur le mythe de la souveraineté nationale. Alors, je ne résiste pas à vous dire ce que Spinelli, donc Altiero Spinelli, qui a participé à la naissance de ces réseaux fédéralistes en Suisse, très proche d'Henri Freinet,
À mon avis, un homme extrêmement intelligent. Il écrit très bien en français et très lucide sur le mouvement fédéraliste. Et donc, Camus lui demande de venir à Paris pour parler. Et je crois que c'est, je ne sais pas si c'est inédit ou pas, mais je pense que oui. Spinelli dit à Camus, l'attitude prétentieuse de grande puissance de la France, en fait, hein, l'attitude prétentieuse de grande puissance confrontée à la réelle impuissance de la France, cette attitude, comme l'écrit quelques jours auparavant le Journal de Combat, ressemble à celui qui, déchu, veut cacher sa misère et continue tragiquement à parler en termes de sa superbe, en termes de superbe. Ce contraste entre la politique de De Gaulle et la situation de la France fait que plusieurs groupes et personnes commencent à ouvrir les yeux par rapport à la véritable mission de la France en Europe. Ainsi, le journal Combat, le plus sérieux, le plus courageux parmi les nombreux journaux à Paris, a pris une orientation fédéraliste et continue. Oui. Intéressant de voir ce point de vue. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le mouvement fédéraliste, le mouvement européen, ne peut naître qu'en France. Parce que la France, grâce à De Gaulle, fait partie des vainqueurs, alors que l'Allemagne et l'Italie sont game over, ils étaient du mauvais côté. Voilà. Et donc, il y a un appel d'air en France pour l'ensemble des fédéralistes. Freinet va développer ses idées dans d'autres lieux, et notamment dans le cadre du comité provisoire d'études et d'action pour les États-Unis socialistes d'Europe, avec André Philippe en particulier. Ça, c'est une image qu'on voit rarement. Voilà. Et appel au peuple allemand, donc je ne développe pas, et il dit à cette occasion, il faut réintégrer l'Allemagne à partir du moment où une épuration sera faite, à partir du moment où nous serons sûrs que les Allemands ont choisi la démocratie et pas la repentance à vie. Et un homme élucide, c'est Altiero Spinelli, qui vit en France à ce moment-là, et qui va d'ailleurs épouser une résistante allemande. Il dit, finalement, l'Europe, et c'est peut-être ce qui explique cet échec de la pensée fédéraliste de la résistance, il dit, peut-être que l'Europe, c'est un mythe peu enthousiasmant. Les masses se trouvent, et je veux dire que ça a un écho même aujourd'hui, même aujourd'hui, je pense que ça, c'est toujours valable. Les masses se trouvent déjà presque totalement organisées dans les partis et les slogans traditionnels. Elles comprennent les mots d'ordre et les arguments de la patrie, de la démocratie, du socialisme, de la liberté, tandis que l'argument de la fédération n'a pas prise sur elles parce qu'il n'a pas d'auréole sentimentale. Bon, c'est une expression qu'il utilise. Ce n'est pas un mythe enthousiasmant, c'est une question sobre et prosaïque. C'est à ceux qui dirigent les masses qu'il faut s'adresser, à la classe politique, pour employer un terme de la science politique italienne. Et voilà. L'Europe est un mythe peu enthousiasmant. Et quand on pense à un grand commissaire européen qui a traité notamment le Brexit du côté de l'Europe, qui revient en France et qui parle de souveraineté nationale. Je voyais à qui je fais allusion. Et c'est là où on voit justement, encore la puissance de l'État-nation et la faiblesse du mythe européen. Et ça, ça illustre complètement Spinelli. Quand je l'ai entendu parler à la télévision, il est candidat à la présidentielle, c'est un des candidats à la candidature dans un parti politique français, j'ai pensé à Spinelli tout de suite. Je dis, il avait raison. Il avait raison. Donc, ma conclusion, oui, il y a quand même une certaine impuissance des gouvernements français à aller, comme le dirait Gérard Bossuet, un des grands historiens de l'Europe, à aller contre la tendance générale de la diplomatie française, à vouloir faire une Europe anti-allemande organisée autour de la France. Oui, on reste dans le projet d'une Europe anti-allemande. D'où d'ailleurs l'alliance avec l'URSS. C'est l'alliance de revers, ça rejoint Jacques Bainville, la géopolitique du XIXe siècle, etc. L'opinion française, on pense à Spinelli, et c'est l'erreur de Freinet. Freinet croit que les peuples sont devenus européens grâce à la lutte contre le nazisme. Il en est convaincu, mais ce n'est pas la réalité. L'opinion française n'était pas prête à cautionner cette révolution. Et Jean-Marie Soutou, qui va devenir... Vous savez que Jean-Marie Soutou, c'est un type extraordinaire, c'était un électronicien
membre des équipes d'esprit dans les années 30 à Pau. Il va se retrouver donc à Lyon dans le combat anti-nazi et anti-antisémite. Il va se retrouver en Suisse. Puis, il va terminer secrétaire général du Quai d'Orsay. C'est quand même assez extraordinaire. Et il va parler, lui, du solipsisme gallican. Hein, en parlant de, pas que de Gaulle, mais aussi de Gaulle. Le solipsisme gallican. Oui, le solipsisme gallican, il est très fort à cette époque et il est toujours fort. Bien sûr que cet échec, c'est l'effet de la désunion de la résistance. La résistance n'était pas unie, malgré ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu me dire quand j'étais enfant, etc. Non, ce n'était pas le cas, malheureusement. J'essayais de le montrer tout à l'heure. Même s'il y avait des objectifs concrets, la libération de la France, bouter l'ennemi hors du territoire, oui, mais en dehors de ça, c'était très difficile de trouver un consensus sur un projet politique novateur. L'Europe se fera, mais pas à pas, par petits bouts, hein, quand les Français vont réussir à comprendre que leur pays était, comme le dit encore Gérard Bossuat, plus vainqueur à la vérité que victorieux. Et je crois que ça résume bien la situation de la France à ce moment-là. Voilà, merci pour votre attention.